Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Nouria. C'est une touriste catalane qui vient de l'Espagne, de Barcelone. Elle va nous parler du Maroc et comment elle a passé sa première nuit ici, dans les tentes de Merzouga. Nouria, bonjour. Bonjour. Pour moi, c'est une expérience unique de rester la nuit à la terrasse de la Jaima, écouter le silence et voir les étoiles. C'est la première fois que je visite le désert. Mais je suis venu il faut beaucoup d'années au Maroc. Je suis venu cette fois avec ma fille et c'est une expérience extraordinaire. Ah oui. Surtout, on est perdu hier. Hein. Dans le sol, on était perdu. Oui, oui, oui. Est-ce que vous aviez peur? Non. Je suis sûr en tout moment. C'est une expérience très intéressante et je crois que nous avons beaucoup de la chance. Nous avons voir la reine, c'est pas ouais, comme ça s'appelle, je parle beaucoup bien le français, mais nous avons vu plus au désert. C'est très extraordinaire. Très bien. Comme vous avez déjà dit, vous avez déjà visité le nord du Maroc. Assila, Tanger, Larache et tout. Mais maintenant, vous êtes au sud du Maroc, à Merzouga. Qu'est-ce que vous avez préféré? Le nord ou bien le sud? Il n'est pas facile de dire ça. Je suis très heureuse d'avoir venu à l'Auberge Takjot. Parce que c'est un hôtel très accueillant. Et petite, mais c'est un autre concept de le tourisme au désert. Ce n'est pas beaucoup de gens, c'est petit, c'est les personnes, c'est un très accueillant pour nous. Surtout avec Monsieur Moubarak. Ah, c'est vrai, oui. Merci beaucoup, Moubarak. Nouria, un petit mot aux Espagnols qui vous voient sur la chaîne MRE, qu'est-ce que vous pouvez leur dire à propos Merzouga? Est-ce que c'est une place ou bien c'est un endroit qui mérite d'être visité? Je crois que si, que c'est un lieu pour venir quelquefois de ta vie, pour voir une chose très différente, c'est que nous habitons normalement et pour trouver le silence qu'on ne trouve dans notre lieu. D'accord. La dernière question, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot, ou bien une petite phrase, ou bien une petite expression en arabe que vous l'avez apprise? Waouh! Mais vous devez regarder la caméra. Wahed adnin talata harba hamsa. Non, en berber, azul. Azul. Zoukran. En arabe, c'est chokra. Il manque quelques jours pour apprendre des autres mots.